Rebonjour les amis, bienvenue pour la vidéo voilà, des 4 chevaux de moi et de Xavier. Nouveau concept, comme vous nous avez demandé qu'on essaie de rassembler nos deux sélections pour en faire qu'une. Donc ce ne sera plus la vidéo des 4 chevaux, entre guillemets, où il faudra prendre les chevaux en commun qu'on a. Si vous voulez toujours cette fonctionnalité, vous pouvez prendre dans nos 4 chevaux qu'on met dans les 4 premiers de notre sélection. Vous prenez directement ceux qu'on a en commun pour ceux qui veulent continuer comme ça. Donc cette vidéo maintenant, ce sera les 4 chevaux que lui Xavier voit et moi j'en mettrai 4 autres. Voilà, ça vous fera une petite sélection pareil en 8. Et comme je vous dis, comme je vous répète assez souvent, c'est pas pour ça que on va pas l'avoir dans le je l'aurai pas dans mon pronostic et on l'aura dans celui-là. On va faire voilà de dire ah on vous l'a donné là mais pas là, voilà, c'est un jeu pour on nous l'a demandé, donc voilà, c'était surtout pour ceux qui nous l'ont demandé, voilà, d'essayer de combiner une sélection entre moi et Xavier, car c'est vrai qu'on a souvent le quintet à deux, donc on va voir, on va essayer, on va voir comment ça fonctionne. Alors avant ça, il y avait une course aujourd'hui, le mercredi 15 juin, c'était à la Teste, réunion 1 course 1. Départ 1100 mètres, départ a lieu à 13h50, ligne droite, il y avait 13 partants car le 9 était non partant. L'arrivée était 3, 6, 13, 8 et 2. Donc dans mes 4 chevaux, je donnais le 3 et le 13, donc les moyens de toucher couplé placé, le 13 à la place, le 3 gagnant placé et 1, 2 sur 4. Pour demain, le jeudi 16 juin, ce sera Longchamp, réunion 1 course 7, départ à 20h15, 1400 mètres et il y aura 16 partants. Vous irez voir la vidéo de Xavier. Moi, je connais ses chevaux. Alors, moi, je vais mettre dans mes 4, vu que je sais qu'il en a mis ceux que je voyais. Donc, je vais en prendre d'autres. Donc, je vais vous mettre le 12, Avoc, de Théo Bachelot. Je vais vous mettre le 8, Lanaken, de Berthaud. Le 16, Atom Twilight, de Journiac. Alors, celui-là, je ne vais pas le louper. Et je vais vous mettre le 2 Fayatan de Olivier Pellier. Donc je répète les 4 chevaux. Alors le 16, le 2, le 12 et le 8. Allez voir la vidéo de Xavier. Vous allez voir qu'est-ce que lui il a mis. Non, c'est dans les 4 chevaux. Et après vous pouvez prendre les chevaux en commun qu'on a en base avec le reste de cette sélection 1 ou 2. Après vous faites comme vous voulez. Donc voilà les amis, je vous dis à tout à l'heure pour la vidéo de dernière minute.